Bonjour, toujours dans les calculs d'enregistrement de macro avec calcul automatique. Nous en sommes à la fin du troisième trimestre, c'est-à-dire le fin septembre avec le 3 des chiffres du troisième trimestre. Donc là, j'ai écrit mes feuilles, le troisième trimestre est vierge, puis j'ai mis les données. J'ai mis chaque mois, juillet, août, septembre, en plus de tout ce qui est précédent. Donc là, on repart à zéro, on calcule automatiquement, c'est-à-dire les feuilles bleues. Avec les chiffres donnés, donc le premier trimestre est vierge, le deuxième trimestre est trimestre, le premier semestre n'est pas calculé, le premier, voilà. Donc voilà, on part directement enregistrer macro. Donc on va la nommer prime 1 pour abréger, donc prime 1, prime 1. Des trimestres, le nom n'a pas d'importance, donc 1, 2, 3, somme 1, voici le nom de, voilà, somme 1, voilà, c'est un semestre, donc là je l'enregistre comme ça, en fait, donc là je suis au cours d'enregistrement, je me mets, là je démarre ce premier trimestre, feuillet égal. Je commence un enregistrement égal. Je vais au bout, alors attention, la visu, la petite flèche, bien sûr. Janvier, B2, plus. Février, B2, plus. Mars, clique sur B2, entrée. On est au premier chiffre de B2 du premier trimestre. On prend du clic. On se déplace, contrôle. Fonction, page d'homme, continue, deuxième trimestre, égal, bas, chiffre d'avril, avril B2, plus, mai B2, plus, juin, B2, entrée. On est sur le deuxième trimestre, on prend la formule, on duplique. Passe au premier semestre. Alors, le premier semestre sera premier trimestre plus deuxième trimestre. On trouve le chiffre H2. Dans mes deux, égal. Premier trimestre, c'est le B2 plus deuxième trimestre. B2, entrée. On est sur le premier trimestre, on prend le B2 et on duplique. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On va passer maintenant, les chiffres de juillet, août, septembre sont là. Il nous reste le troisième trimestre, contrôle shift. On va sur la feuille du troisième trimestre, la dernière. Égal, on est toujours en enregistrement, bien sûr. Donc attention, c'est les chiffres du troisième trimestre, juillet, juillet B2, plus, août, B2, donc le signe, septembre, B2 entrée, on est sur le troisième, on prend la cellule, on duplique. Voilà, on arrête l'enregistrement, donc macro est terminé, on supprime. Tout ce qu'on a fait pour tester après, c'est les feuilles bleues. On supprime le deuxième trimestre, on supprime la sélection d'échec et est encore active, on supprime. Voilà, on prend maintenant, bon, tout est supprimé, on regarde à la fin, on clique contrôle, on prend la macro, elle est ici, on voit le point détaillé ici, on va la fermer, puis on n'a plus qu'à exécuter. Voilà. Bon, le code est là, vous pouvez lire, on le ferme. Maintenant, on se met là pour tout, et on se met une fois, etc. pour la tête. Elle devrait exécuter jusqu'à la fin. Et voilà, premier trimestre, on réfléchit. Donc, le premier semestre est calculé, les autres, forcément, sont calculés, etc. Merci, bonne soirée.